Resident Evil Revelations. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation, on a perdu contact avec Chris et Jessica. Le signal a été perdu en pleine mer. Le Queen Zenobia. Ici, sur ce bateau. Aucun signe de vie. Mais je sens une présence. On dirait une arme. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? Chris! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, génial. Merde! C'est un piège! Vous allez connaître la vérité. Vous allez pas les crimes. Vite, Chris. On y est presque, Jessica. J'espère bien, oui. J'ai les pieds en compote. Apparemment, la base est sur l'autre versant du pic. C'est peut-être lié au temps, mais je n'arrive toujours pas à joindre le QG. Je ne pensais pas qu'on allait rester coincé là si longtemps. Il ne devrait pas y avoir de couloir aérien ici. Alors les renseignements sur Veltro étaient corrects. Allez! Bon sang! Personne n'a pu survivre à ça! Fouille la zone. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Inspectons le reste de l'avion. On trouvera peut-être quelque chose. Le manifeste peut nous donner une piste.
Apparemment, il se dirigeait vers l'aéroport de Valkoinen-Moki. Si c'est là qu'il se trouve, cette mine devrait nous y conduire. Jessica, viens m'aider! Ne bouge pas, j'arrive. Oh, il fait un froid de canard ici. Je t'avais dit de prendre ta polaire. Hey, t'as entendu? Fais attention. C'est pour ça que je préfère le chihuahua. Tu crois que l'avion transportait ces choses? Ouais, on dirait bien. Alors Veltro est revenu d'entre les morts. Ouais. Et nous devons les arrêter avant qu'ils fassent des victimes. Au fait, c'était Jill, c'est ça? C'est ça quoi? Concentre-toi. C'était ta partenaire avant, hein? Ouais, c'était ma partenaire avant. Et alors? Non, rien. Je me demandais, c'est tout. Huh?
merde! Chris! Tout va bien? C'est juste ma jambe. Je repartirai pas tout de suite. Ne bouge pas, Chris! Ils sont trop nombreux. Tiens bon, Chris. Merde, je vais être à court de balles. Ça, on a plus de l'air. Merci. Ça devrait aller. Désolée de revenir là-dessus, mais... Revenir sur quoi? T'as autant confiance en moi qu'Angel? Inutile de comparer. Je te fais confiance. D'ailleurs, la confiance se gagne avec les actes, pas avec les mots. Je te reconnais bien là, Chris. Tout n'est qu'une affaire de boulot pour toi. C'est leur repère. Ici Forkball, à vous. Ici Chris, je vous reçois, chef. Vous allez bien? Où êtes-vous? Les interférences ont brouillé notre signal. On est à l'aéroport de Valkolnenmoki. Bon sang. C'est un piège. Comment ça? J'ai envoyé Jill et Parker en Méditerranée d'après de fausses infos, et maintenant j'ai perdu contact. Je n'ai plus de nouvelles depuis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chris, il faut que tu vois ça. C'est impossible. O'Brien, ça ne va pas vous plaire. Il y a un drapeau de Veltro. Les rumeurs de leur réapparition sont donc vraies. Si c'est le cas, alors... Alors le piège tendu à Jill et Parker, c'était eux? Ouais, j'en suis pratiquement sûr. O'Brien, nous allons chercher Jill et Parker. Si c'est pas un problème. Pas du tout. Rendez-vous en Méditerranée et on vous tiendra au courant. T'as une idée de ce qui se passe? On verra ça plus tard. On doit y aller.
Parker. Où es-tu? Je sais pas. Dans une pièce, quelque part sur le bateau. Oh, merde. Ce salaud a pris toutes mes armes. Tu peux joindre le QG? Non, les transmissions sont HS. On devrait se rejoindre. Thank you.
subtil. Tu peux pas te battre sans armes. Essaie de tout faire pour esquiver. Jill, tu vas bien? Ça va, mais le bateau est infesté de mutants. Ok, il va nous falloir nos armes. Je crois que je les ai vues en venant, mais je pouvais pas les atteindre. J'ai besoin de toi pour les récupérer. Ça ira si on reste ensemble. Attends, il y a des monstres par là. Et j'ai trouvé ça. Tu crois que ça peut servir? Ouais, ça pourrait bien marcher. Juste devant. Vite. J'ai trouvé nos armes. Elles sont là. Thank you.
Contacte le QG et on leur dit ce qui se passe ici. On devrait pouvoir y arriver depuis le pont. Allons-y. C'est là que j'ai pas enfermé. Au fait, il joue à quoi ce type au masque à gaz? C'est quoi ça veut dire? Let's go.
Je suis sur le pont. On peut pas changer de trajectoire. On est à la dérive. Ça vient d'arriver. Celui qui a fait ça doit pas être loin. Ne me dis pas que c'était notre bateau. Merde, on est coincés. Jill. Pas un geste, lâchez votre arme. Toi d'abord, Parker. Vous êtes qui, vous ?